Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter un YouTuber streamer que j'ai rencontré il y a quelques temps grâce à Drop Dead Boy, une dédicace à toi poto. Alors Drop Dead Boy m'a fait découvrir ce YouTuber streamer et quand j'ai découvert ce YouTuber streamer j'étais vraiment bluffé. Dans le sens où il m'a impressionné. Moi-même qui suis fort proche de ma communauté, cette personne, elle est encore plus proche de sa communauté. Et je vous avouerai que je l'envie parce qu'il gère vraiment bien les choses. Et je trouve ça super bien. Alors voilà, j'ai déjà joué avec lui une fois ou deux. Et voilà, je lui avais promis que je lui ferais une pub pour sa chaîne YouTube sur ma chaîne à moi. Parce que voilà, il le mérite vraiment, il le mérite, il n'a pas extrêmement beaucoup d'abonnés. Pourtant, c'est un très bon streamer et je trouve qu'il devrait en avoir un peu plus. Donc voilà, alors je vais vous présenter cette personne. Mais avant de vous présenter cette personne, je vais vous demander, soit vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ou soit si ça ne vous intéresse pas, essayez quand même de regarder la fin de la vidéo, genre les 3-4 dernières minutes. Parce que je vais essayer de parler d'un de ses problèmes parce que voilà, il a besoin de soutien à ce moment présent. Donc c'est aussi pour ça que je fais ma pub maintenant parce que voilà, comme je trouve que ça tombe bien. Donc voilà, je fais ma pub et je lui apporterai mon soutien en fin de vidéo. Donc s'il vous plaît, pour soutenir les youtubeurs comme moi ou comme lui, essayez de regarder un peu la fin. Vous savez, un petit like, un petit commentaire, une petite vue, c'est vraiment gratuit, ça vous prendra pas énormément de temps et ça pourrait peut-être l'aider à arriver à son but final, hein. Donc voilà, mais de toute façon je vais pas mélanger les deux, donc je vais d'abord faire la présentation de ce youtubeur et puis après seulement je ferai un hashtag soutien à cette personne. Donc voilà, alors tout d'abord je vais vous présenter le youtubeur parce que là voilà, je vous en parle mais je vous ai pas dit c'est qui. Et le youtubeur, justement, c'est le grand youtubeur que je vais vous présenter là tout de suite. C'est Swakulu Mec les potos. C'est vraiment un tueur ce youtubeur. Il déchire sa mère et tout, franchement c'est un truc de ouf. Non je rigole les potos, c'est moi je rigole. Swakulu Mec c'est moi les potos, je sais pas si vous étiez au courant. Non c'est bon, je suis parti dans un délire. Ne vous tracassez pas, tout va bien, sta bene. Alors, le youtubeur que je vais vous présenter, il s'appelle Mabzuel, il est ici. Voilà, je ne troll pas, c'est pas ma chaîne que je vais présenter, c'est sa chaîne. Donc voilà. Alors, de toute façon, je suis vraiment trop con parce que j'ai pas pensé, mais dans le titre, je vais mettre Mabzuel. Donc au final, mon troll, il va pas marcher, mais bon, bref. Voilà, bref, c'est un petit délire, c'est pas grave. Alors, je vais aller sur Mabzuel, comme ça, je vous montre comment ça s'écrit, même s'il est marqué en bas à gauche, voilà. Donc vous pouvez voir que c'est un joueur principalement en zombie parce qu'il me propose directement du zombie. Il faut savoir que ça c'est des propositions de YouTube, c'est pas mes propositions, ça c'est mes propositions, ça que je peux supprimer là, tu vois. Enfin bref, un jour je viendrai un peu, peut-être je vais faire une vidéo sur la fonctionnalité de YouTube, ça peut être intéressant. Alors Mabzuel, alors là moi je vais vous montrer 2-3 petits trucs, franchement vous allez être impressionné. Donc voilà, Mabzuel, il a 7788 abonnés. Franchement, ça monte pas mal ces derniers temps. Je suis vraiment content pour lui. Mais ça ne suffit pas. Franchement, ça ne suffit pas parce que c'est pas énormément. Bien sûr, ne parlons même pas de revenus parce que les lives sur YouTube et la monétisation sur YouTube, pour l'instant, elle part en couille. Mais les lives, c'est encore pire. Donc voilà. C'est pas une personne qui gagne sa vie grâce à sa chaîne YouTube, ça c'est sûr et certain. Bon, il reçoit beaucoup de dons, mais bon, après, voilà quoi, c'est... Voilà, on s'en fout, bref. Donc, Mabzuel, il a... c'est lui. Je crois qu'il a 26 ans, mais je suis pas sûr. Donc, Mabzuel, désolé si j'ai erroné ton âge. Enfin, bref. Il vient de Tahiti, donc il parle français, bien sûr, je vais pas vous présenter un YouTuber anglais... Je pense pas que ça vous aurait intéressé. Mais voilà, la particularité de ce youtubeur, c'est qu'il habite au Canada. Enfin, plus précisément au Québec, je pense. Et donc voilà, il parle super bien anglais. Et franchement, c'est super utile parce que regardez, là, il a fait une vidéo sur le DLC 5. Donc, je vous en avais déjà parlé sur mon ancienne vidéo de Zombie Chronicles. Et en fait...
il a traduit le live. Donc ça dure pas 2h25, hein. Il a fait, je pense, au moins une heure de gameplay, je pense, après. Mais pendant la première heure, il traduit le live, enfin, la vidéo qu'il avait eu avec JC Backfire et Jason Blundell. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le Zombie Chronicle, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Voilà, on va même cliquer dessus, comme ça vous allez le voir en direct. Regardez, ça c'est Mabzuel, donc voilà, c'est lui. Et là, vous avez vu, bah, vous pouvez déjà remarquer qu'il a un bon travail professionnel. Parce que voilà, il a déjà sa petite bannière, il a sa petite caméra avec son fond incrusté. Voilà, il a déjà sa petite truc de don. Franchement, il propose, la qualité de son travail est super bien. Donc là, je vais vous montrer un peu. Donc là, il était chaud. Hein. Jour là, il était chaud, patate. Donc regardez, voilà, ça, c'est si vous êtes hype, je ça, suis hype as fuck. Ça, franchement, ça, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment un truc qui m'a trop fait kiffer chez lui. C'est, je pense que c'est vraiment le truc qui le démarque le plus, avec aussi la communauté, comme il est proche de sa communauté. Avec ça aussi, c'est un gros point aussi. Mais la Maps Dance, c'est lui qui l'a inventé, hein. C'est la Maps Dance, comme vous pouvez le voir ici. Et ben, à chaque fois qu'il atteint un palier genre d'abonnés, ou qu'il reçoit un énorme don, ou qu'il fait, qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, et ben là, lui, il fait une Maps Dance, ben, tout simplement la Maps Dance. Ben, je vais vous la laisser, hein. Yes sir. Yes, enfin, sir. Je crois qu'il va la faire. Je la mets sur repeat, la Maps Dance. On va voir, hein. Donc il met de la musique. Au calme. On s'en fout. Non, on s'en fout. Les gars, hashtag like dans le chat. Les gars, hashtag like. Déjà dans le chat, je veux voir hashtag like dans le chat. On est à 20. Gamer, Carnaval, Gila, voilà. Fabo Novo. Hey, voilà, first time. Il danse comme ça un petit peu. Et voilà, c'est. Spyrock, Cyril, Darky. C'est stylé. Tout le monde, Rich, tout le monde est là. Tout le monde, Audrey là. Edouard, Richtofen. Ça met de la motivation dans le live, tu vois. C'est ça qui est bien. Kevin, Nosta, Jimmy, Kikiller. Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, DLC 5 Boys, Zombies Chronicle, j'applaudis. J'applaudis déjà, on sait même pas ce qu'il va y avoir. J'applaudis le chat. Juste je change le sub goal. Tiens, changeons le sub goal. Bah voilà quoi. Donc franchement, si vous allez le voir, je pense que vous serez vraiment pas déçus. En plus, il a une bonne tête, il présente bien, il est bien marrant. Voilà, c'est pas le type à se prendre la tête et tout. Franchement, c'est stylé, franchement. Un gros good game à toi, poteau, pour tout le travail que tu fais. Il live quasi tous les jours. Bon, pas tous les jours, mais quasi tous les jours, il fait des lives. Principalement en zombies. Il fait d'autres jeux comme Overwatch, comme Black Ops 3. Il fait du IW, du Black Ops. Et là, il va bien sûr être sur Zombie Chronicle, hein, ça c'est sûr aussi. Alors aussi, il fait des facecam où il parle tout simplement en tête à tête avec vous, quoi, tu vois, des lives comme ça, en tête à tête. Donc pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie là pour le moment, ou tu vois, s'il est occupé ou quoi. Donc, voilà, il est vraiment proche de sa communauté, donc c'est vraiment super bien, et j'espère que ça continuera comme ça. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit, hein. À propos de sa présentation, donc là je vais passer à l'hashtag soutien, car en fait il va retourner à Tahiti, ouais voilà, il va retourner à Tahiti, et en fait le DLC 5 de Black Ops 3, donc Zombie Chronicle, va sortir dans 8 jours, voilà, dans 8 jours, donc il sort le 16 mai. Et bien sûr, comme c'est un youtubeur zombie et qu'il a commencé ses lives il y a un an et demi, il est à fond dans tout ce qui est zombie. Et le DLC 5 Chronicle, c'est vraiment une sortie normalement qui va annoncer du lourd. Question vue, question hype, question intérêt. Franchement, c'est quelque chose qui va, pour nous les youtubeurs, peut-être nous faire un petit bond vers le succès, quoi, tout simplement. Plus d'abonnés, plus d'intérêt, plus de vues, plus de tout, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment un truc essentiel. Et en fait, cette personne, donc Mabzuel, elle va partir à Tahiti. Je sais pas quand, je pense qu'il l'a pas dit dans sa vidéo. Donc il va partir à Tahiti. Et en fait, en réalité, Tahiti, apparemment, ils ont à peine le 4G depuis cette année ou quelques mois. Donc question connexion internet, c'est vraiment pas l'idéal. Et lui, il va retourner dans son
dans son pays, hein, voilà, il est originaire de Tahiti. Donc il va retourner là-bas pendant 4 mois, donc il reviendra pas avant août, fin août, début août, je ne sais plus. Donc voilà, je pense qu'il va même louper la sortie du DLC, franchement je sais pas du tout parce que voilà, il l'a pas vraiment expliqué en début de vidéo. Donc si vous voulez voir la vidéo, franchement ça vous prendra rien comme temps. Mais allez simplement voir la vidéo, mettre un petit like, mettre un petit je sais pas moi, hashtag Vini, hashtag Viti et hashtag je sais plus c'était quoi le dernier. On va aller voir. Hashtag OPT, voilà, c'est ça. Hashtag OPT. Donc voilà, moi, pourquoi les hashtags? Ben parce qu'en fait apparemment, c'est ça OPT. Apparemment, ben, c'est pour le référencement. Apparemment, si vous mettez ça, ben voilà, c'est possible que Vini, Viti ou OPT. Ah merde, c'est OPT, j'ai marqué OTP, MDR. Puisse avoir des notifications, quoi, tout simplement. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, Twitter, les réseaux sociaux et tout ça, je suis pas trop dedans. Donc voilà, je vous avoue tout que voilà. Alors voilà, franchement, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mettez un petit like. Un petit hashtag Vini, Viti et OPT. En fait, qu'est-ce que c'est Vini, OPT et Viti? Ben, c'est tout simplement... Bon, il l'explique, hein, dans sa vidéo si vous voulez plus d'explications. C'est tout simplement des opérateurs, donc Internet. Donc ça, je crois que c'est télévision et Internet. Et ça, c'est que Internet. Et ça aussi, hein, que Internet. Donc apparemment, celui-là, c'est le leader, OPT. Et Vini et Viti, c'est des nouveaux qui ne s'aiment pas du tout, apparemment. Donc voilà. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment... d'essayer d'attirer un peu l'attention de Vini ou de Viti sur cette personne qui retourne à Tahiti, donc voilà, pour qu'il puisse avoir soit au moins des réductions ou soit un partenariat, ce serait vraiment l'idéal, mais au moins un petit truc, quoi, un petit truc pour qu'il puisse s'acheter une connexion internet à Tahiti d'une bonne qualité, parce qu'en fait si vous achetez si j'ai bien compris, il va s'acheter un abonnement chez Viti ou chez Vini ou chez OPT, et ben en fait il va pas avoir des bonnes connexions, il va avoir genre du 0,5 MB, donc même pas 1 MB par seconde, et pour faire un stream c'est pas possible. Je pense qu'il a dit qu'il nous fallait au moins 4 MB ou 2 MB pour faire au moins un stream de 720p. Voilà, moi j'ai jamais ce problème là parce que ça va, elle fonctionne bien. Donc voilà, mais à Tahiti, si tu veux du 4 MB, hein, je parle pas du 4G mais du 4 MB, apparemment c'est extrêmement cher. Donc voilà, comme c'est en fait pourquoi c'est cher, ben enfin moi c'est ce que je pense, mais après je me suis un peu renseigné sur les prix, ça parle en francs, donc déjà je sais pas si c'est des francs français ou quoi, tu vois. Donc après j'ai essayé de trouver un converteur. Donc, si j'ai bien compris, 1000 francs ça fait 8 euros, enfin 8-9 euros. Je pense que j'ai calculé, s'il allait chez Vini ou Viti, il aurait dû payer, je crois qu'il devrait payer une histoire de 200-250 euros pour la fibre. Hein. Je parle bien pour la fibre, je pense. Donc pour un mois c'est quand même assez cher, sachant que ben voilà, je sais pas si il roule sur l'or, je pense pas, hein. Je pense pas que l'argent tombe du ciel comme il dit dans son live. Donc voilà, 250 euros pour une connexion, c'est assez chaud. Donc s'il y a moyen qu'il fasse un peu de bruit, eh ben peut-être que Vini ou Viti vont lui proposer une petite collaboration avec une petite réduction, je sais pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, le principal intérêt de faire cette vidéo. Donc il faut savoir aussi que s'il n'a pas internet, ça va causer du tort à sa chaîne YouTube, sachant que ça fait un an et demi qu'il travaille là, sur sa chaîne YouTube, qu'il fait des lives le plus possible. Donc tous les jours, il essaye de faire un live. Et pour sa chaîne YouTube, ben, pour pas qu'elle meure, enfin pour qu'il... Parce que si... Moi, je pense pas qu'elle va mourir, mais c'est vrai que ça va être pas super bien pour lui s'il est pas là pendant le DLC 5 Chronicle de Black Ops 3. C'est vraiment une sortie que... tout youtubeur zombie ne peut pas louper. C'est quand même un retour. Ah, c'est quand même... C'est même pas un... C'est un retour aux sources, c'est clair et net. Parce qu'il y a du Kino, il y a carrément les trois premières maps qui sont sorties sur World at War. C'est vraiment du retour aux sources, en fait, tout simplement. Et voilà.
pour lui, ce serait bien qu'il ne le loue pas. Donc voilà, moi je vous demande à tous, hein, même à ceux qui ne sont pas intéressés par cette personne, de juste venir mettre un petit hashtag Vini, Viti, OPT. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûtera même pas 2 secondes à 2 minutes de votre vie. Et ça pourrait faire changer quelque chose à cette personne. Donc voilà, ça serait super sympa de votre part si vous le faites. Et voilà, moi je vous en remercierai jamais assez pour tout votre soutien. Et merci à tous, hein, pour tous ceux qui vont le faire. Et merci pour lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à partager un maximum. Et aussi, si vous allez sur ces vidéos, sur cette vidéo-là, à une annonce très importante, Viti OPT, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag SoisCoolMec pour qu'ils savent. Vous voyez, vous mettez hashtag Vini, hashtag Viti, hashtag OPT, et puis vous mettez un petit hashtag SoisCoolMec pour dire que vous venez de ma part, ou même dans un autre commentaire, hein, vous en mettez un deuxième, c'est pas. Voilà, comme ça, il sait que vous venez un peu de ma part, ça lui fera plaisir. Et moi aussi, ça me fera plaisir. Donc voilà, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui participeront à ce soutien. Merci à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et photos. Allez, ciao, peace.